À l'occasion de la présentation du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale 2014 ce jeudi, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a tenu à préciser qu'il n'y aurait aucun désengagement de l'assurance maladie. Ce sont des économies qui seront demandées à l'ensemble des secteurs de la santé, mais j'insiste, il n'y a pas de nouvelles taxes, pas de déremboursement, pas de franchise nouvelle qui apparaît dans ce texte de loi. Les Français peuvent donc compter sur un système de santé de bonne qualité. Pourtant, un récent rapport de la Cour des comptes préconisait la fin du remboursement des lunettes et des lentilles par l'assurance maladie, une mesure qui ne semble pas étonner les Français. Mais ça ne changera rien. Ça ne change rien, puisque vu ce qu'ils remboursent, 13 euros sur 1000 euros une paire de lunettes quand on a des verres progressifs, plus la monture, donc ça ne change pas grand-chose. Le gouvernement, qui table sur un déficit de la sécurité sociale de 13 milliards d'euros pour 2014, va pourtant devoir serrer la vis et revoir ses priorités. Il est possible que l'assurance maladie soit amenée demain à se recentrer sur les dépenses de soins courants, les dépenses de médicaments, les dépenses d'hospitalisation, et que, compte tenu de la masse budgétaire que ça représente, elle soit tentée de transférer ces charges-là, sur lesquelles d'ailleurs elle n'est pas fortement mobilisée. Il y a des marges d'économie importantes. Ça ne veut pas forcément dire que ça coûtera plus ou moins cher aux usagers. Ça veut dire que les complémentaires santé auront un rôle clé à jouer, un rôle qui sera d'autant plus important qu'en 2016, la complémentaire santé sera obligatoire pour tous les salariés. Présenté dans quelques jours devant l'Assemblée nationale, le PLFSS 2014 prévoit une économie de 2,9 milliards d'euros, rien que pour la branche assurance maladie.